jolie comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. Tout de même malheureux de voir ça. Pas reconnaître son enfant. Faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble. C'était rue de Ménilmontant. Elle étalait son panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier, mais un jour un vagabond qui rôdait autour de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle criait dans la rue, voulez-vous des crayons? Ils disaient à l'inconnu, les crayons sont pas bons. C'est ça qui est triste. Forcément. Elle était avec son panier découvert. Alors le vagabond, sans hésiter, lui a pris tous ses crayons. Puis après, elle n'avait plus de crayons. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais. Un marchand de crayons, en gros, lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des mots, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle a eu un enfant. C'est tout de même malheureux d'abuser d'une inconnue. C'est vrai qu'elle a été un peu faible. C'est pas parce qu'il disait qu'il était marchand de crayons en gros que... Surtout que c'était pas vrai. Avec un enfant, elle avait bonne mine. Elle avait même pas une mine de crayons. C'est ça qui la mine. Alors elle l'a abandonné, l'enfant. Alors cette pauvre enfant, plus tard, à son tour, qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Et cet enfant de fille-mère étalait son panier.